le mariage. Alléluia. Tu vas démontrer tout à l'heure, lors de la louange, que tu veux réellement que l'onction du mariage te touche. Alléluia. La manière dont tu vas danser. Si tu veux le mariage, je vais faire ça tout à l'heure. Quand la louange va commencer à gérer, toi tu vas danser comme ça, tu es en train de dire, allez, l'ennemi, pas ça. Moi je ne veux pas te marier, je veux être célibataire. Mais toi tu vas te marier, je te verrai tout à l'heure, t'as fait le coup. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Nous allons continuer nos prières. Dieu est un esprit de feu. Je voudrais qu'on nous chante un cantique de feu. Alléluia. Un cantique de feu. Et quand on prie pour le Saint-Esprit, on ne s'assoit pas. Alléluia. S'il vous plaît, même si vous avez des bobos quelque part, tenez-vous debout. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit qui vivifie. C'est un esprit d'abord qui guérit. C'est un esprit qui transforme. Si tu avais mal et que tu obéis, cet esprit-là va de régénérer. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, tous télé debout, nous allons réclamer le feu de l'Esprit dans ce lieu. On ne croise pas les mains. Ça, n'ayez pas cette habitude. Alléluia. Parce que ici, au sein des prières, nous sommes dans un lieu de combat. Tu n'as pas vu un combattant qui est comme ça? Mais si tu es comme ça, l'ennemi va te frapper. Tes mains doivent être libres. Quand on prie, il faut que toi-même, tes mains soient libres. Parce que celui qui est en face de toi, il n'est pas là pour jouer. Donc toi dans la prière ne joue pas. C'est pour cela loin de là, toute distraction. Parce que ici, si tu es distrait, un démon peut quitter quelqu'un puis entrer en toi. Alléluia. Amen. Et tu dis, je suis quitté au sein des prières, mais depuis que je suis quitté là-bas, j'avais mal ici. Mais après j'ai eu mal là. Mais c'est toi-même. Tu as été distrait. Tu as commencé à regarder les uns et les autres. Pendant que les autres sont en train de prier pour leurs conditions de vie, les démons sont sortis à eux, sont rentrés en toi. Alors si toi-même, tu commences à prendre ta vie au sérieux, et à ne regarder à personne, et regarder qu'à Jésus, aucun démon n'entrera à toi. Yes. C'est ça, il faut acclamer le Seigneur. Yes. Seigneur, aucun démon n'entrera à toi. Pendant que la communication va commencer avec un cantique de feu, toi et moi, nous allons être accompagnés. Nous allons chanter. Et nous allons passer tout à l'heure à la prière. Et je veux voir tout le monde dans la prière. Je ne veux pas voir quelqu'un qui va prier comme ça. Seigneur, j'ai dit, on est fatigué avec ce genre de prière. Alléluia. Amen. Yeah. Nous parlons prier comme ça. Et aujourd'hui, voici la vie que nous menons. Mais les évangéliques sont venus pour changer cette prière. Parce que Satan n'est plus là pour jouer. Satan a commencé à manifester son règne. Alléluia. Amen. Hier, c'était la peste. Comme nous disait la Bible. Parce qu'avant hier, quand quelqu'un avait la peste, avait la lèpre, personne ne s'approchait de lui.
Tout le monde le rejetait. Les lépreux étaient à l'entrée de la ville. Ils ne rentraient pas dans la ville parce qu'ils sont lépreux. Et quand ils doivent marcher, ils disent impur, impur. Et tout le monde fuit. Parce que si tu n'as pas dit ça, et qu'on a découvert que tu as la lèpre, on te tue. Donc il fallait faire ça. Mais aujourd'hui, la lèpre s'est transformée en Ebola. Donc un Ebola 10 ou 20, je ne sais pas quoi va passer, il va dire Ebola, Ebola. Et tout le monde va commencer à fuir. Le diable est descendu. Il n'est pas fatigué. Toi aussi ne sois pas fatigué. Groupe musical. Cantique de fuir. Avant de partir. Oh mon Dieu. Jésus dit ceci. Que les sorciers, c'est les hommes, ils vont manger maintenant. Alléluia. Amen. Parce qu'on mange plus la viande. Ils vont manger quelle viande? Eux-mêmes, ils n'aiment pas peu. Donc, je vous ai dit que c'est beaucoup de souliers qu'ils vont manger. Alléluia. Donc, toi, prends ta vie au sérieux. Et ce matin, à cette prière, il faut que tu pries avec décision. Tout ce qui mine ta vie, tu vas annuler cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais ce que tu vis. Et tu sais ce qui te tracasse. Donc, je ne veux pas que tu fermes la bouche. Alléluia, c'est pas quelqu'un qui viendra prier pour toi. Mais toi-même, prends ton destin. Tu vas lever la main et tu vas fermer les yeux. Tu vas répéter avec moi. Père, Père, il est écrit que toute âme
chargé contre moi, enfant d'Abraham, sera le sans-effet. Alors, en ce jour, j'annule et je déprogramme tout programme, la sorcellerie des ennemis sur ma vie. J'annule et je déprogramme à cette fin d'année la mort, les accidents, la maladie, le malheur. Six jours. Amen. Le septième jour Jésus-Christ que tu as mis le thème à ton travail. Amen.